Bon, ça les gars, c'est un petit TikTok pour ceux qui sortent pas de chez eux, pour ceux qui disent que les puretés, que ça se vend pas. Donc, regardez aux enchères. 20 200 euros, il y a un mec qui vient de prendre un 5008 PureTech. Sachant que dessus, il faut que tu rajoutes 12% de frais et 150 euros. Donc le mec vient d'acheter un PureTech à 25 000 euros. Donc toutes les personnes qui disent que les PureTech c'est invendable, etc., sortez un peu de chez vous, arrêtez d'être sur TikTok. Sortez, regardez la réalité des choses. Je vais vous en montrer d'autres, il y a d'autres PureTech qui partent, je vais vous montrer ça. Évidemment, je te dis pas que c'est une bonne chose d'acheter des PureTech ni d'en vendre, etc. Je te dis juste que des PureTech ça se vend. Regardez les gars, une C3, pareil, PureTech, toujours le même jour, 13 h. On va voir à combien elle part. 28 000 km. Voilà, vendu 7 600 euros. Donc tu rajoutes 12%, 150 euros, etc. Bref, son PureTech, il a acheté 8 000 euros. Donc les gars, les PureTech, ça se vend. Arrêtez de dire que c'est invendable, etc. Les PureTech, ça se vend. Ça se vend pas cher, c'est pas fiable, etc. On sait, mais les PureTech, ça se vend. Bref, voilà, ciao l'équipe.